Bon là les filles, mauvaise nouvelle, je devais sortir aujourd'hui. Normalement ça va toujours être le cas. Juste je dois faire un Doppler, un scanner, parce que peut-être suspicion de phlébite. Donc là on va aller faire la radio. Les filles, déjà que j'ai l'impression que j'ai 70 ans dans mon corps, tellement que je suis cassée de partout, mon dos, mon coccyx. Là, vous me rajoutez les boîtes qu'en tension, je suis une vraie mamie. J'espère vraiment que c'est pas ce qu'ils m'ont dit, parce que du coup, je vais devoir faire des piqûres dans mes cuisses et tout. Et là, de toute façon, dans tous les cas, je vais devoir porter des boîtes qu'en tension pendant un mois, ça c'est sûr. Ça me fait trop mal ici, et c'est hyper gonflé. Donc écoutez, j'attends, là, on va voir. Se comprennent bien. Non, vraiment. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, ça y est, c'est le grand départ. Je me suis préparée. On rentre à la maison. Donc ça y est, j'appelle en train de tout ramasser. Je suis trop contente. En plus, on a fait la séance photo aujourd'hui, puisque la dernière fois, il n'y avait pas la photographe. Donc, et Isaac, il est trop, trop beau sur les photos. Elles sont incroyables, les photos de la maternité. Donc là, j'attends juste Jamal. Il va ramener la voiture devant l'hôpital et go à la maison. Donc, je suis vraiment trop heureuse. Et je vais dire au revoir à toute l'équipe de l'hôpital. Et de toute façon, je compte revenir les voir cette semaine pour leur offrir, comme je vous ai dit, des petits cadeaux et tout pour les remercier. Donc, un peu stressée, mais parce que depuis une semaine, ça fait une semaine, je suis pas sortie de cet hôpital. Donc, let's go et go commencer l'aventure ensemble. Là, c'est la petite séance photo de Isaac. On a fait les photos à la maternité. Il est trop beau. Au revoir la chambre, au revoir la salle de bain, au revoir la maison. Allez, c'est parti les filles. Go à la maison. Ça fait trop bizarre. Ah, les filles, ça fait trop bizarre. Déjà juste de sentir l'air de l'extérieur. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Bon, bien évidemment, je suis montée derrière avec mon petit beau gosse. Là, il dort profondément. Donc, allez, bismillah, go à la maison. J'ai hâte d'arriver à la maison, sachant qu'il y avait mes parents chez moi. Je suis sûre que ma mère, elle a dû faire un grand ménage, elle a dû faire plein de repas. Je la connais par cœur. Là, on arrive dans quelques minutes, donc j'ai vraiment hâte de retrouver ma maison. Mais je sais qu'elle doit être nickel de chez nickel. Franchement, c'est trop un avantage d'avoir eu ma maman qui vient cette semaine, qui est venue cette semaine. Donc, j'ai trop hâte. Enfin, la maison, c'est tout propre. Ça fait trop du bien de retour chez nous avec notre fils.
suis trop contente, les filles. Mon mari m'a fait une surprise et les cadeaux sont magnifiques. Déjà, j'ai eu les filles le sac Chanel rouge, le Timeless. C'est un de mes sacs préférés. Donc, en rouge pétant comme ça, il est vraiment trop, trop beau. Vraiment, il est canon. Donc, suivez ça. J'ai eu les claquettes Oran en blanche. Je les voulais trop. Elles sont incroyables. Avec un porte-carte, ça m'a trop touchée. Jaune citron comme ça. Il est vraiment trop, trop beau. Et j'ai eu le classique, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais trop. Portefeuille Chanel, il est incroyablement beau pour aller dans mes sacs et pour aller dans le noir comme dans le rouge. Il est trop, trop beau. Donc voilà, avec un magnifique, mais oh, incroyable bouquet de fleurs de roses rouges. Je suis trop contente. Franchement, le retour à la maison là. Bon, les filles, je suis trop contente d'être rentrée à la maison. Là, je me suis changée parce que mon Tedley, ça, je sais que je vais devoir aller m'acheter mes plein de hauts, plein de t-shirts, on va dire, que je m'en fiche parce que les mon Tedley, ça tâche énormément. Donc là, du coup, j'ai plein de choses à faire. Je vais aller faire mes machines à laver de valise maternité. Je vais aller laver tous les bodys. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Tous les gens qui s'étaient moqués de moi en disant que j'avais pris toute ma vie, que je partais en vacances à la maternité, sachez qu'il me manquait encore des pyjamas et qu'il me manquait encore des bodys. Alors que tout le monde, genre, rigolait sur moi et me disait que j'avais pris trop et tout. Au final, c'est même pas que j'ai pris trop. C'est que j'ai même pas pris assez alors que tout le monde se foutait de moi. Et au final, regardez, je suis restée 6 jours. Donc heureusement que j'ai écouté mon instinct et que j'ai fait ça. Donc là, je vais aller ranger tout ça. Je vais aller ranger mes petits cadeaux. Les ballons, je les laisse. Ils sont trop, trop beaux. Franchement, ils sont magnifiques. Il y a un autre petit truc, attendez, je vais vous montrer qui est magnifique. Je vais vous montrer le petit côté l'ange de Isaac qu'on va faire parce que je vais le modifier. Je pense que je vais acheter une table comme à la maternité. Comme ça va être beaucoup plus pratique parce que le couffin il est super beau. Mais pour la praticité, je pense que ça va être mieux une table. Alors ma maman, elle m'a fait plein de plats pour aujourd'hui, demain soir. Et franchement, elle a trop géré. Elle m'a fait des côtelettes, du poulet aux olives, du riz gratin, de la bavette, des aubergines. Ah franchement, elle m'a soulagée. Là-bas, on a des lentilles. Elle m'a fait plein de choses. Franchement, vraiment, c'est la meilleure. Non mais c'est vraiment trop trop beau. J'ai pas envie d'enlever cette déco. Bon, je vais les enlever de la chambre, bon, mais je trouve ça tellement beau. Regardez, bienvenue Baby Isaac avec sa date et tout. Et ça les filles, j'avais pas vu. Baby citron, bon mais c'est pas trop chou. Ça va rester ici, hein. C'est magnifique. Je vais le garder pour sa future chambre, Inch'Allah. C'est trop trop beau. Et je peux enfin vous montrer les petits ballons que j'avais fait faire ça. Donc là, je vais enlever tout ça. Et j'ai commencé ma petite organisation. Là, j'ai mis à tourner tous les bodys et les pyjamas qui étaient à la maternité.